En état d'urgence extrême. Ça, c'est bon. Attention! Bien joué. Me voilà enfin libre grâce à la bienveillante intervention de Grum. Plus personne ne sera jamais enfermé dans cette prison. Allez-y, vas-y, vas-y, ça, rien voir ça. Ça, alors, je n'ai pas encore reçu le mémo sur les nouveaux uniformes. La SPD organise peut-être des soirées. Ah. Sid va probablement faire un tour au lavomatique. Je vous signale que je lave mon linge toute seule. Et pour votre information, je sors ce soir pour fêter mon anniversaire. Qui? Bah, quoi? Quoi? Hein? C'est ton anniversaire? Pourquoi tu nous as rien dit? Parce qu'en fait, ce n'est que demain. Moi, je m'en fiche un peu, mais mes parents insistent tous les ans et m'organisent une superbe soirée la veille de mon anniversaire dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, grande limousine blanche, un génial orchestre et blablabla. Bla bla. Quoi? Attends une minute, ça veut dire que nos invitations sont restées coincées quelque part? Dis pas de sottises, je vous aurais invité volontiers, mais vous avez trop de travail. Ranger, au centre de commande. On y va! Voici Sinuku, l'un des grands criminels les plus connus de notre galaxie. J'ai reçu un rapport à l'instant me signalant qu'il avait réussi à s'évader de sa prison de l'espace. Il va certainement venir jusqu'ici. Et pourquoi il viendrait dans cette ville? Sinuku était un brillant chercheur, il a été recruté par les forces du mal et leur a créé des armes. Son ancienne équipière, le docteur Reas, habite ici. On pense qu'il voudra la retrouver. Landors, je veux que vous preniez un membre de votre équipe pour aller surveiller son laboratoire. Oh, prends-moi, prends-moi! Aucun problème, je choisis Sid. Quoi? C'est toi la plus qualifiée, tu as suivi un entraînement précis pour ce genre de job. Oui, mais... je vais manquer mon repas d'anniversaire. Et ton repas de demain? Je suis désolé, mais c'est très important, tu le comprends. Un anniversaire, c'est pas une raison suffisante pour t'excuser. Et puis, tu as dit que tu t'en fichais. J'ai menti. Regarde cet endroit et on va rester enfermés là-dedans. Ouais, et arrête un peu de faire la tête. Je trouve ça énervant. C'est pas ça du tout, mais j'avais autre chose à faire. Hé, arrête, cette fois ça suffit. T'en auras encore plein des anniversaires. Alors maintenant, on parle travail. Ça c'est une bonne surprise. Le commandant Kruger avait oublié de dire que le docteur Reas était une vraie beauté. Oh? Ouais, elle est pas mal. Pas mal? Elle est très belle. Ah! Alors tu crois que parce qu'elle est intelligente, une femme devrait être forcément laide? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle était jolie. Bon, parlons travail, Jack, ça vaudra mieux. Kruger a détecté quelque chose de bizarre par ici. C'est vrai, et une fois de plus, il a raison. Mais c'est Sinuku. Non, non, attends! Essayons de savoir ce qu'il vient faire ici. C'est ici. Personne n'y a touché. Grump est ravi de voir ça. Pose ce que tu tiens et mets les mains en l'air. SPD, je m'y attendais un peu, je vous avoue. Et j'ai pris mes précautions. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ça finisse comme ça? Attaquez! Ah!
Rien de cassé? Non. N'insistez pas. Prêt? Prêt? SPD, l'arme de la loi. Super police d'État. Et voilà. Tu ferais mieux de nous remettre ça. Vous rêvez. Oh non, c'est pas vrai. Il est parti. Ouais, mais il faudrait savoir où. Shinoku, Grum t'a fait libérer par ses soldats robots. Et maintenant, il attend d'être payé. C'est normal. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus précieux que de l'argent. De quoi tu veux parler? N'essaie surtout pas de m'enrouler. Mais non, ne t'inquiète pas pour ça. Je réglerai ma dette avec ceci. Des magnétons? J'ai entendu dire qu'ils neutralisent n'importe quel robot. Oui, en effet, c'est exact. Dès que j'aurai retrouvé leur activateur, ils seront prêts. Tu vas m'aider. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu sais où le trouver? Oui, c'est une vieille amie qui l'a. Dans l'ordre de Kruger. Génial. Tenez. Et merci. Merci. Une pizza gourmet. Il y a tout dedans. Oh, c'est gentil de m'avoir commandé ça pour mon anniversaire. Désolé, mais elle est pour moi. J'en aurais pris une grande si j'avais su que t'en voulais. Qui voudrait avaler une de ces écœurantes pizzas de toute façon? Moi, je me suis fatiguée à suivre le livreur depuis des kilomètres. C'est parfait. Après ça, mon anniversaire est définitivement gâché. Ravi de te revoir. Moi aussi, princesse. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu la carte de crédit de son père? Non, elle est furieuse parce qu'elle travaille le jour de son anniversaire. Oh là, je la comprends. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu travaillais le jour de ton anniversaire? Ça me serait bien égal. Enfin, je sors faire un tour. J'en ai pas pour longtemps. Joyeux anniversaire, Jackie. Souffle fort. Allez, vas-y. Aidez-la, vous autres. Oui, bravo, ferme. Hein? Hé! Il a pris ma sacoche. Au voleur! Au voleur! Je m'en occupe. Coincé. Je crois que c'est à vous. Oh, merci beaucoup. Il serait sage que je vous raccompagne. Et voilà. J'ai pas trop de temps. C'est l'anniversaire de mon amie. Elle m'attend. Oh, c'est vrai? J'espère que vous allez bien vous amuser. J'ai toujours adoré ça, moi, en tout cas. Vous aussi? Pourquoi? C'est le seul jour de l'année où on se sent forcément différent. C'est très spécial. Bon, souhaitez un bon anniversaire à votre amie. Et je tiens encore à vous remercier. Oh, c'est vraiment intéressant. On dirait de la télé-réalité. Tu te rends compte de ce que tu as fait?
Tu veux absolument qu'elle comprenne qu'on la surveille? J'ai bien fait attention, alors calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Oh, je suis curieux d'entendre ça. Boucle-la! D'accord. Inutile de crier. Je vais sortir faire un tour et manger le fromage tombé dans la boîte. Oh, ça va, te fatigue pas. Tu trouves que le docteur Rhea, c'est joli? Alors tu es allé bavarder avec elle. C'est pas très professionnel. Tu veux m'écouter? Un robot lui a volé sa sacoche dans le parc et après ça, j'ai préféré revenir avec elle. Oui, et je suppose que tu lui as expliqué que tu étais le superbe et généreux Ranger Rouge. Je ne lui ai rien dit du tout à propos des Rangers. Si tu veux le savoir, on a parlé d'anniversaire. Anniversaire? Pourquoi? Parce que je voulais essayer de savoir pourquoi t'étais furieuse après moi. Ta réaction m'a étonnée. Je comprenais pas du tout que ça puisse être si important pour toi. Attends, toi tu n'as jamais fêté un de tes anniversaires? Non, je n'en ai jamais fêté. Je ne sais même pas quand je suis née. Ah. Oh. Ouais, c'est comme ça. Et de toute façon, il y avait peu d'argent pour avoir des invités et faire la fête. Ah, quand je pense à la démesure de mes parents voulant me faire plaisir. Ouais. J'ai vraiment dû paraître une petite fille trop gâtée. Non. Enfin, un tout petit peu, ouais. En tout cas, je tiens à m'excuser. Merci. Merci, Broadwing. Oh, on a un gros problème. Venez donc vous battre avec moi, Power Rangers, si vous en avez le courage. Oh, c'est toi qui l'auras voulu. À vous de jouer, Docteur Manx. Mes renforts vont arriver. Par surprise. Duplication immédiate. Regardez ça. Ah oh bah y en a partout. Ouais, c'est ça. À mon avis, on ferait mieux de passer aux choses sérieuses. C'est lassant. Ah, c'est le moment. Mais où il est passé? On l'a encore perdu. Ah, c'est pas vrai. Bonjour, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? C'est rempli de souris, cet immeuble. Elles ont mangé toute la pizza, ces goinfres. Où est-elle? Piggy, est-ce que tu as vu des choses curieuses se passer chez le docteur Rhea? À part le fait d'être emmenée de chez elle par un extraterrestre assez grand avec des cheveux rouges? Non. Et par où ils sont allés? Ouais, attends un moment. Mais qu'est-ce que j'aurais pour ça? Tu es certaine de savoir où tu as caché l'activateur? Ouais. Mais j'aurais dû avoir le bon sens de le détruire. Je regrette tellement que tu aies changé, Sinuku. Avec tes dons, tu aurais pu te battre pour le bien. Ça, c'était ton but, je te signale. Pas le mien. Enfin. Jack! Laisse-la s'en aller. Non! De toute façon, je n'ai plus besoin d'elle. Maintenant, je vais m'occuper de toi. Prêt. SPD, l'arme de la loi. Super police Delta. Je ne suis pas seul. Oh. En avant. Huh?
t'ennuyer. Bravo. Et toi, je t'arrête. Tu risques d'avoir du mal. Tu vas vite retourner en prison. Ça, non, alors, plus jamais. Je pense que Grum ne m'en voudra pas trop si je me sers d'un pour t'éliminer. Parfait. Oh, on va être débarrassé de toi. Laisse-la tranquille. Merci. Ça va? Oui. Allez vous abriter. Delta Blaster! Hey! Ah, il est très fort. Tiens bon, Jack, la cavalerie arrive. Ah. Juste à temps. On y va. Ranger rouge. Ranger bleu. Ranger vert. Ranger jaune. Ranger rose. SPD Ranger. Défenseur de paix. Arrêtez le cinéma et venez vous battre. Tu n'as aucune chance. Je vais passer au plan B. Ça se complique. Envoyez le Mégazord. On y va. Il recommence. Ce sont des leurs. Pas celui-là. Attention! Ça, c'est duré. Il est temps d'en finir. La puissance de feu va être multipliée par 100! Il a sérieusement augmenté sa puissance de feu. Bridge, c'est gentil de le dire, mais on l'avait remarqué. Eh, vous vous disputerez plus tard. Je suis surpris de voir qu'ils ont survécu à ça. Je vais multiplier la puissance par 1000 et on va voir s'ils résistent encore. On a intérêt à vite réagir si on veut s'en sortir. Cette fois, c'est la fin. Adieu, Power Ranger! Attention, accrochez-vous! Jack, j'espère que tu as un plan! Oui, j'en ai un! Retour à l'envoyeur! Éjection! Hey! Écoute-moi bien, tu vas vite retourner d'où tu viens. C'est l'heure du jugement. Ah, je ne veux pas retourner en prison. On y mange vraiment trop mal. Coupable. Canon, canin, ya. Cible verrouillée. Laissez-moi sortir. Vous entendez? Je veux sortir. On n'entendra plus parler de lui avant longtemps. Surprise! Ah, la
Joyeux anniversaire. T'aurais dû faire un effort pour t'habiller. Je suis un ranger, et en tant que ranger... Oh, Sky, arrête avec ça. Détends-toi, on est là pour rire. Oui, allez, tu peux rire. Mon cadeau d'anniversaire. Désolé, mais tu sais que la paye n'est pas grosse. Oh oui, parle pas de ça. C'est parfait. Moi aussi, j'ai un cadeau à t'offrir. La moitié de mon anniversaire. Ça me ferait plaisir que tu acceptes de le partager avec moi. Et tous les ans à cette date, ça sera aussi mon anniversaire? C'est exact, oui. Et il y en a qui font durer la fête pendant toute une semaine. Oh! Joyeux anniversaire, princesse. Et qui t'a invité, toi? C'est moi. C'était la seule façon de lui faire dire ce qu'il savait. Ça manque de moutarde. Joyeux anniversaire.